Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. Donc on est encore un petit peu dans l'histoire, vous savez, l'histoire du début. Hop. On va essayer d'aller libérer. On va sauver ces pêcheurs, qu'ils le veuillent ou non. Ce pauvre homme. Où se cache l'officier ? Lui-ci en tout cas ne voit pas grand-chose. Bonjour monsieur. Merci officier. Vous êtes libre. Je prends son arme. Il a buté un cerf. Ah ça va, c'est un cerf. Arme de lancer. Génial. Que je peux... Non, apparemment pas celui-là. Ok, cool. Bon là j'ai aucune raison de déplacer le corps. Bonjour monsieur. Ces cinglés de fanatiques sont en roue libre. D'accord. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cache de survivaliste près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. Je vais quand même aller voir là-haut ce qu'il y a. Dak, merci l'ami. Salut mec, j'ai tenté d'aller à la planque souterraine mais un gros tuyau a explosé et a tout inondé. Je ne sais pas ce qu'on peut sauver. On a besoin de jus pour faire fonctionner la pompe et drainer l'eau. Je sais que l'interrupteur est dans le hangar à bateau, mais la porte est verrouillée et tu ne m'as pas laissé la clé. Je te laisse donc t'en occuper. Comment il a dit qu'il s'appelait Mike? D'accord. Intéressant. Merde! T'as touché le jackpot! C'est une cage de survivaliste. Si t'arrives à y entrer, tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Allez, va jeter un œil. De l'argent? Eh ben dis donc, t'es pas un pro de la natation, bonhomme, hein? Ah ah! Voyons voir si je suis malin. On voit que c'est ici qu'il y a un problème électrique. Et que le mec n'avait pas la clé. Sauf qu'on voit ici qu'il y a un bateau, un pêcheur, etc. Donc j'imagine que la clé pourrait être potentiellement dans son bateau. Bateau qui malheureusement n'est pas là. Peut-être qu'en passant par ici tout simplement. Ah non, mieux! Mieux encore. Génial. Génial, génial. On a été suffisamment malin. Hop. Oh, une pagaille! Je prends la pagaille. Par contre, je veux garder Pupus. Si ça ne te dérange pas. Merci pour Pupus. Les clés pour sortir. Le jus à remettre. On déverrouille. Et donc ici, on peut virer toute la flotte. Merci de faire fonctionner les pompes. Ça se fait bien en plus, hein. Voilà, bonjour. Wow. Eh ben voilà qui commence vachement bien. Je vais le garder. Si tu veux faire une plus grosse impression, tu peux toujours fabriquer de la dynamite. La bonne nouvelle, c'est que les gens du coin ont stocké tout le matériel qu'il te faut. T'as juste à te servir. Et au boulot. Ok, bon bah on est bon. Hein. Aha. S'ils ne sont que deux, ça peut être simple. La
Ok, il y avait un peu plus de monde que prévu. Oh! Oh l'asiatique! Le calme. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour mon bon monsieur, désolé de ce qui vous est arrivé. Imagine qu'il faut que je pète ceci. D'accord, why not? Ok. Coffre. Merde alors. Je viens de voir la secte embarquer un type près des quais. Si tu l'aides, peut-être qu'il acceptera de prendre un flingue et de t'aider en retour. Ouais monsieur, j'y vais monsieur. Il me reste 5 flèches, plus un pistolet. Certaines âmes refusent le salut de toute leur force. Aha! Tu vas nourrir les poissons! Bien joué! Et que t'es un vrai alors! Allez, sors! Non! Mon arc! Voilà, c'est bon. Ça va? Tranquille? Qu'est-ce qu'il te faut? Embaucher! Ouais, oui, si tu veux, vas-y. Rejoignez le poste de recherche. T'embauches! Ordre des mercenaires, j'ai pour ordonner à vos mercenaires de rejoindre la zone de direct. D'accord. Ok. 1. Attention, droit devant. Je bouge. 2. Je bouge. C'est sûr que vu comme ça. Allez, va assassiner celui-là. Mouais. Ce sera pas moi, mais faudra bien que quelqu'un les arrête. Ok, on a réussi apparemment. C'était assez pété. Par contre, fais pas disparaître les cadavres, j'aimerais récupérer des flèches. Ce sera pas moi. Bon travail au poste de recherche. Merci. Les cinglés reviendront plus après la raclée que vous leur avez collée. Tant que vous êtes là, faites un petit tour, il y a peut-être encore des gens en vie. Bien sûr. Non. Mon arc est pété. Mon arc est complètement pété. C'est pas passé loin. J'ai pas suffisamment de flèches, mais mon arc est pété. Oh. Bon. D'abord, salut toi. Vous êtes un ange. Merci. Merci. Merci pour l'XP. Bon, on s'en sort plutôt bien. Il y a des dollars un peu partout. On sent qu'on est au début du jeu. La récolte a commencé, Lupin nous a demandé d'ériger des sanctuaires dans toute la région. D'accord, on l'a déjà lu. Et on en a trouvé un autre sanctuaire sur la carte. Qui lui est un peu plus loin. D'accord. Vendu sur une espèce de petite île. Ok, alors il y a un monsieur apparemment qui veut nous parler. Une fois qu'on l'a libéré, j'aurais peut-être dû le faire. Crac, bonjour. Autour de l'île depuis des semaines. Je crois qu'ils essaient d'établir une base dans la vieille station des Rangers. D'accord, ok, merci. Bah j'irai. Je te remercie de ton soutien. 200 mètres, j'aurais bien aimé avoir un bateau pour rejoindre là-bas, mais j'en ai pas, malheureusement. Cependant, comme dans tous les Far Cry, je surkiffe le gameplay à l'arc. En mouvement, couvre-moi. Oh.
Mouais. Ok, apparemment il les a eus. J'étais un peu surpris qu'il me... qu'il me voie d'aussi près. Pour être tout à fait honnête avec vous. Par contre, faire disparaître les corps, je le prends vraiment très très mal. Bonhomme. Peut-être que c'est lui qui le fait. Peut-être que c'est mon pote qui les pousse, hein. C'est possible aussi. Bon. 3, 2, pareil. 1. Boum. T'es vraiment pas doué, hein. J'ai touché. J'ai besoin d'aide. Mais non, tout va bien. T'es en pleine forme, bonhomme. T'es pas doué, mais t'es en pleine forme. Il a honte en plus. Je savais que j'aurais dû prendre ce boulot à Boston. C'est un vilain qui a parlé ou c'est... Ok. Poste des Rangers, on y est. Que Power Rangers. On va plutôt parler de poing 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 poing. Par contre, les corps qui passent à travers les trucs, j'aime pas ça. Hein. Honnêtement, le jeu là me fait pas ça trop souvent parce que j'aime pas du tout ça. Oh, un lapin! Bon, il y avait un aigle aussi juste devant que j'ai pas vu, ou voir en tout cas un pigargue peut-être. J'ai pas trop vu le temps de voir en fait. Mais je suis bien content d'avoir libéré le poste. C'est mieux passé que prévu. Maintenant, le vrai souci que j'ai, c'est la disparition des cadavres avec les munitions. T'as vu ça? Bon, maintenant il faut nettoyer le signal radio. Ma cibi est foutue, je capte rien du tout sur cette île. La tour radio près de la côte sud doit être endommagée. Tu veux bien t'en occuper pour moi? Ouais, pas de soucis. Donc on est au niveau de la tour et je me rends compte... Puis j'y vais peut-être un petit peu de manière brutale. Passons par la... En passant par la voie normale en fait, si je puis dire. Et je sens que je vais faire ça souvent. T'as vu ça? L'air pur. La beauté de l'endroit. Ah là là. Première tour. Je sais ce que tu penses, non. Je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région. Ah bah merci. Ah merci. Bah ah, c'est gentil. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien un petit peu ce jeu d'un seul coup, tu vois. C'est simplement pour ce principe du on veut pas faire comme les autres. On a fait le 3 et le 4 pratiquement à l'identique. On veut pas faire les mêmes. Électricité! C'est la fée électricité! Alors je suis immobile, hein. Je voulais vous tenir au courant, hein. Je peux pas bouger. Salut! Hey officier, je capte un signal bien fort. Ouvre ta carte. Je vais te décrire ce que j'entends. D'accord, j'ouvre la carte. Fin de la maintenance prévue le 4-5 à 15h30. Plus large, dézoome ta carte qu'on puisse voir toute la région. Hope County se divise en 3 régions. D'accord. D'accord. Ah oui, allez vers le nord. C'est Jacob Seed qui dirige tout. L'aîné de cette putain de famille. C'est Jacob qui forme les soldats de la secte. Et il est vraiment très doué. Ellie et les Whitetails essaient de résister, mais Jacob les tient par la gorge. Au d'accord. Sud-est, t'as la rivière Enbane. C'est le territoire de Face. Est. J'ai entendu pas mal d'histoires. Des gens qui auraient perdu la tête dans un endroit appelé la Grâce. Maintenant, d'accord. Vers l'est, à Holland Valley. John Seed vient de débarquer et il réquisitionne tout au nom de la secte. Je peux pas dire vers l'ouest. Il s'est planté, je crois. Il a dit l'est, mais c'était l'ouest. Ok. Tiens, ma citrouille de Rae Rae. D'accord. Taxidermie de Pépèche. Ah oui, Pépèche. Marina Drumman. D'accord. Ok. Plein de choses, apparemment. D'accord. Ok. C'est pas grave, j'ai pas fini. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Sauvegarde. Chargement. Sauvegarde, chargement. Chargement, sauvegarde. Wow, j'ai un gros truc. L'étincelle.
Waouh. Et comment tu me montres ça en fait, en vrai? Nous sommes des pêcheurs. Tous autant que nous sommes. Vous, moi. Même notre cher père en fait l'expérience. C'est un poison qui pollue l'esprit. Avec les fleurs au sol et tout. Si je vous disais qu'une délivrance est possible. Si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles. Si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées. Si vous adhérez à une idée. Cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un mot. Oui. On a lu tout à l'heure, donc. Non. Ah. Là, je suis déjà pas d'accord avec toi. Je suis un pécheur. Oui. J'aspire à la rédemption. Oui. Je veux être purifié. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour la purification. Confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expier. N'ayez crainte. Vous n'aurez rien à faire du tout. Nous viendrons à vous. Bienvenue à Eden's Gate. Eh ben dis donc, il y en a qui aiment bien se payer des gros producteurs américains. Hein. John Cena, tiens ta coéquipière Hudson, elle est dans une mer de noir, il faut que tu te remues. Bon, on n'a pas vu le caca, hein. Bon, tyrolienne. Ting 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 ting. Hop là. Bon, en vrai. J'ai indiqué trois endroits sur ta carte pour commencer. La Syrie au nord, la prison de Hope County à l'est, et la ville de Falls End à l'ouest. Tu fais comme tu veux, mais à ta place, j'irai d'abord à Falls End. Ouais, tu veux absolument que j'aille à Falls End. Moi j'aimerais... Ah bah. Cool. Nous avons de nouveau repéré des membres d'Eden's Gate dans la région. D'accord. Maintenant que t'as une bagnole, suis la route de gravier pour quitter l'île. Puis quand tu arrives au Devil's Fork, trace ta route tout seul. Je te souhaite bonne chance. Je t'appelle si j'ai de nouvelles infos. Terminé. Ok, pas de soucis, merci. Bon, du coup, apparemment... Maintenant, faut que je me déplace en quad. Bah bien, bravo. Effectivement, j'ai franchi la N-Ben River. Oui, madame. Bonjour. D'accord, ok, effectivement, je confirme, il a pas l'air... Il a pas l'air très sain, effectivement, je confirme. Désolé, mon bon monsieur, je pensais pas que ça vous arriverait à vous. Je n'ai pas pu faire. Quoi que ce soit. On va bouger parce que j'ai l'impression que c'est... Disons qu'il y a beaucoup de gens dans cet endroit. Pauvre bête. Ça va le chien? Qu'est-ce qui... Prendre. Un point de talent. Wouhou. J'ai reçu un point de talent. J'ai du talent. Oh, ça c'est quoi? J'ai du talent. Un gilet pare-balles et des munitions, je prends. Wouah. Faisons, vous venez de terminer votre premier défi. Terminez votre défi pour obtenir... D'accord, des points de talent, des points de talent, des points de talent. Les défis. Ok, d'accord. Avec différents un nombre de points de talent différents. Appuyez sur A pour aller dans les talents. Les talents débloquent de nouveaux gadgets et capacités, d'accord, ok. Alors oui, ça je suis plus ou moins au courant, les amis. Ok. Alors nous, on va... On va attendre, tout simplement. On va attendre un petit peu, c'est pas grave, on verra. J'ai eu des flèches. Entendez la parole. Seuls ceux qui ont la foi verront la voie qui mène à l'Éden. Rejoignez sa prêtresse à cet hôtel pour entendre la parole de Joseph. Ensemble, nous retournerons au jardin. Très chelou, mais c'est un endroit que je vais pouvoir défoncer par contre.
Quelqu'un trouve ce message, bien sûr, il y a des anges dans cette région, des cérébrés qui n'arrêtent, que rien n'arrête. S'ils vous poursuivent, rappelez-vous ces trois mots, visez la tête, c'est le seul moyen d'en venir à bout, soyez sur vos gars. Je mérite d'être clair. Putain. Oh. Tiens, bouffe. Bouffe. Petite vengeance perso. Ça c'est joli comme arme. Confection. D'accord. Je peux faire des couteaux de lanceur et des dynamites, tout ça. Pas de soucis. Merci pour tout ce que tu transportes. Ils avaient ça juste à côté. C'est intéressant aussi, hein. Salut. Désolé, j'ai pas pu sauver ton pote. J'imagine que tu t'en occuperas bien, malgré tout. Je m'appelle Xander Flynn et avec mon Adélaïde, on s'est fait attaquer à la marina par les pseudo-hipsters de la secte. J'ai tourné pendant l'attaque, tu vois, je suis paumé, je sais même pas comment je suis arrivé là. Je suis un magicien avec un clavier et je fais des super smoothies, mais dans la nature, laisse tomber. D'accord, bon bah écoute, je laisse tomber. Si tu protèges la marina d'Adélaïde, elle trouvera un moyen de te récompenser, mais tu dois faire vite. Pas de soucis. Ok les amis, on y est. Alors je peux vous mentir, je sais déjà plus ou moins où je suis. Je sais déjà plus ou moins où je suis vu que j'ai eu la chance de pouvoir faire cette mission chez le père de mon meilleur ami. Du coup c'est pour ça que j'y viens, parce que je sais que ça va être cool. Pauvre Pépèche. Pour se venger. Connaissant Pépèche, elle doit se faire un vrai festin avec ses hippies. Elle doit rôder dans le terrain de camping d'à côté. Ça pue les dessous de bras et la charcuterie là-bas. C'est forcément que ces crétins de fanatiques traînent dans le coin. Allez la chercher et prenez ses biscuits avec vous. C'est comme cette petite pute de Drumman à la marina. Elle vous suivra au bout du monde pour une gâterie. Maintenant ramenez-moi ma petite chatte. Pas de soucis madame, c'était très bizarre mais... Si tu te retrouves à court d'argent, le meilleur moyen d'en gagner c'est d'aller chasser. Il y a pas mal de gens dans le coin prêts à payer pour de la viande et des pots de bêtes. Bonjour. Tu chasses pas beaucoup, je me trompe? Si j'étais toi, je m'y mettrais. Au rythme où vont les choses, faut apprendre à te débrouiller par toi-même. Oh, t'inquiète pas, je me débrouille. La chasse. C'est bien. Tout ce qui se passe, faut apprendre à survivre par soi-même. C'est joli quand même. Fanatique. Tout le monde se foutait de leur gueule quand ils parlaient de leur fin du monde. Mais regarde autour de toi. Ils avaient pas franchement tort. On peut plus compter sur la justice. Il y a plus personne pour nous protéger. On doit se débrouiller par nous-mêmes. Le seul but qu'on a, c'est rester en vie et se nourrir. Oui, madame. Des choses à vendre, si ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Du matos, des trucs utiles par les temps qui courent. Pas de soucis, madame, si je veux bien. Si tu as des pots de bêtes, je te les paierai. Bah écoute, je penserai à chasser. C'est moi-même. Ça grouille de danger dans le coin. Si jamais tu croises des cinglés, réfléchis même pas, abalez tout de suite. Ça qui est bon. Alors, qu'est-ce que t'as à vendre, ma petite dame? Des armes, des vêtements, des objets. En termes d'armes, j'ai 665$. Ils ont des super armes à vendre. Et je sais qu'en termes d'armes, ce que j'aimerais acheter moi pour le moment, ce serait ceci, une canne à pêche. Ça peut paraître bizarre, c'est pas vraiment une arme, mais ça me permet de me faire de l'argent assez rapidement. J'ai oublié les friandises à pêche. Quel homme mauvais je suis. Ok, on s'approche de la zone. Parfait. Et de 1. Et de 2. Oh. Et de 3. Équipez-vous des friandises. Viens là, Pépèche. Bien cru que c'était fini. Salut Pépèche, t'emmènes plein de trucs avec toi par contre, je suis désolé. Merci, c'est pas passé loin. C'est pas sympa de faire disparaître les corps, c'est bon.
En voilà un beau cougar. Pépèche, je veux dire. Allez, on y va, pépèche. Ces trucs sont du genre agressif. Raté. C'est réussi la chasse. Ah ah, ça c'est fait. Pêche, viens par là. Vas-y, serre-toi. Hop là. Merci pour les pots. Pépèche, rentre. Tiens, regarde, pépèche. Vas-y, va chercher. Fouillez la propriété. Ah oui, d'accord. Je veux la peau de ce cougar. Ok. Ils m'ont vu. Ok. Tu tueras pas pépèche. Oh, elle est passée où cette flèche? Ah bah bien, bien avec ton shotgun hein. Tu me rends complètement inutile mais bien. Non mais bonhomme, bonhomme. Désolé mais... Wouah, il s'est passé quoi? Je ne sais pas. Nul ne le sait. Dépêche. Viens chercher à manger. C'est là que je me rends compte que je veux pas mourir. Dépêche, qu'est-ce que tu fous là-bas? Allez, pépèche. Voilà, c'est bien. Bonne fifi. Miss Mabel. Putain. Eh oui. De sa présence. T'as vu ça? Entre nous, j'aurais pas cru vous revoir un jour. Merci, vous sympa. Vous aviez pas l'air d'être une lumière, mais... Mais dites-moi, pourquoi vous garderiez pas cette minette? Ah bah je veux bien, ouais. Ça m'a fait des vacances pendant quelques jours. J'avais pas à m'occuper d'elle tout le temps, en lui filant à boire et à manger. Allez, adieu, on en a fini. Ok, bon bah écoute, je vais donner des hippies à manger à longueur de journée. Ça te va? Les experts sont des mercenaires ou des animaux disponibles après avoir terminé leur mission. Ils sont plus puissants et les calor pays sont disponibles dès le départ. Chaque expert peut être amélioré à l'aide du menu talent pour réduire son temps, son délai d'apparition. D'accord. Bah oui, écoute, je la mets dans le groupe, hein, là. Hop, viens là. Pépèche. Oh. Un monde qui donne. Un monde qui ça, aime. C'est pas adorable. Un monde qui t'accueille à bras ouverts. Yo. Je n'ai plus besoin de chercher. Je suis ici pour... Coffre. Ouvrez les coffres en utilisant des explosifs télécommandés. Obtenez le temps de crochetage ou chalumeau pour ouvrir des coffres sans explosifs. Ah, crochetage ou chalumeau. Le monde au-delà du labyrinthe. Crochetage ou chalumeau. Salut, Mabel. C'est enfin arrivé. Nounou est mort hier soir dans son sommeil. Oh non. J'ai du mal à imaginer ma maison sans la présence de ce gros bébé idiot. Non. Si t'as le temps... J'aimerais le garder près de moi. Non, une bébête qui mourut. J'ai son photo préféré sur lequel le poser et tu pourrais peut-être lui mettre une souris dans la bouche. C'était son goûter préféré. Je sais pas si t'as déjà empaillé un serpent. Désolée. Passe me voir pour le prendre quand t'auras une minute. C'est chelou quand même, mais c'est mignon. Du coup, c'est ce truc-là, j'imagine. Ce qui tombe bien, c'est que ici, je dois avoir suffisamment de points pour le chalumeau de mémoire. Il coûte 5 points, ça m'emmerde, vu que moi ce qui m'intéresserait pour l'instant ce serait ça. Pour pouvoir tout simplement continuer à farmer en dehors. On va regarder si j'ai ce qu'il faut en termes d'explosifs télécommandés. Avec plus proximité. Télécommandé, j'ai ce qu'il faut, parfait. Ok. Faire exploser avec le bouton. Ok, vendu. Pépèche, pardon. Boum, c'est bon. Je voulais m'assurer qu'elle soit pas devant. Tout ça pour 250 malheureux dollars, mais bien sûr. Ok. J'ai vu un truc, je vais pas vous mentir, j'ai un peu stressé. J'ai vu double l'espace d'un instant. On dirait qu'on est maudit. Merde, il a pas réussi à aller la chercher. Dommage. Wow. Bonjour. Ah, il m'avait dit de pas lui parler.
Il m'avait dit de pas lui parler. Je crois que j'ai fait de la merde en lui parlant. J'ai dû faire de la merde. Ouais, j'ai fait de la merde. Et merde. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Je serais une menteuse. Une manipulatrice. J'empoisonnerais les esprits. Mais... je vais te raconter une autre histoire. T'es chelou. Il était une fois une jeune fille. Mise à l'écart par sa propre communauté. Mhm. Ça me pique les yeux ce jeu. D'accord. Maltraitée par sa famille. Ouais. Et cette jeune fille, c'était pas moi. D'accord, c'est moins drôle. Elle était seule au monde. Je peux bouger ? Ah, j'aurais bien regardé ses poignets. Puis elle rencontra le père. Là, ça pue. Elle avait un bon sourire de démente. Donc elle fait pas partie de la famille. Il lui montra qu'elle était spéciale, qu'elle était pleine de vie et d'amour. Il lui offrit une autre famille, qu'il acceptait telle qu'elle était vraiment. Il y a des choses au poignet gauche. Une fille retrouva le goût de la vie. Tatouage peut-être. Elle avait trouvé un but. Ok, donc le coup des ailes, c'était pas des conneries. Est-ce que tu portes des sous-vêtements? Parce que sinon t'en voles pas trop haut. Ok, je vole aussi. Est-ce que j'ai des ailes? On pourrait devenir copains si j'ai des ailes. Il lui demanda si elle avait confiance en lui. Et elle répondit que non, j'imagine. Si elle voulait mourir pour lui. La jeune fille qui voulait vivre à tout prix. Prit peur. Ah, m'attendez pas à ce tourne. D'accord. La voix de l'Éden éclaire pour tous les fidèles. Suis la voix. Ça, c'est un suicide. Accepte la foi. Lâche prise. Non. Laisse-toi guider par ta foi. Même si j'ai énormément envie. Accueille la parole du Père dans ton cœur. Pas taper dans la... Non, bon bah, go for it. Je donnerai un sens à ta vie. Je te libérerai. Allez. Néo. Néo, saute Néo. Ok, acte de foi. Tu te sens différent. Moi j'étais parti pour chasser. Vivant. Le premier pas est le plus stressant. Mais on a tous confiance en toi. Suis le pèlerinage. Suis la voie. Et pêche aussi, les drogués. On se verra bientôt. Attends, je suis dans une mission là ou pas là? Non, je suis pas dans une mission. Parfait. On va aller chasser. Bien joué. Wow, l'agression de Pépèche qui me donne des pots quoi. Wow, trop stylé Pépèche. Bon, toi t'es à moitié sourd bonhomme hein.
Antilope dépecée. D'accord. C'est une antilope. Ok, il y a une bébête là-dedans. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc on va la libérer. Pourquoi il y va pas ? Hey. Allez. Pourquoi c'est moi qui chasse et pas toi, Pépèche? Qu'est-ce que tu fous? Pépèche? Merde, j'ai perdu le... Merde! Putain, j'ai perdu le... Je suis bête. Peau de carcajou. Je sais même pas ce que c'est qu'un carcajou. Marcus pense à mettre un truc pour expliquer ce que c'est qu'un carcajou. Vous ne passerez pas. Aïe. Bah si, il est passé. Confirme, il est passé. Bon bah... Hop et... Essayons de... Merde. Hop. Allez, décède. Ok, bon bah Pépèche a tout fait. Génial. Le pauvre, il est... Il est plus assis que mort, mais... Juste à côté ici, merci. Je sais pas ce que c'est. Tu m'as sauvé la vie. J'ai vu. Bonjour. Qui emmenait une femme dans une chapelle de leur couvent. D'accord. Elle se débattait en hurlant. Ok. Quand elle est ressortie, elle était devenue un de ses anges, complètement silencieuse. Ok. Fais gaffe à toi, officier, d'accord. Merci. Alors le truc, c'est que j'ai entendu une personne qui m'a dit vous. Bonjour. Les anges puent la grâce. D'accord. Les gars de la secte les plongent en entier dans la drogue. C'est ok. Sûr. C'est tout ce que t'avais à me dire. Waouh. Three, two, one. Voilà, et boum kaboum. Désolé madame, hein, fallait... Fallait vous bouger, hein. Waouh. Waouh. Tu l'as eu? Putain, je m'attendais pas à ce qu'il... Tout seul, quoi, je veux dire. Waouh, excellent. Attention, cougar. Oh. 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 Tellement de talent. Pépèche est tellement talentueuse. Non mais oh, t'as cru? T'as cru? Je te sauve la vie? Et c'est comme ça que tu me remercies? Non mais oh, c'est quoi ce bordel? Bon, lui, malheureusement, je ne l'aurai pas. Ok, on est dans la fameuse mine. Alors, est-ce qu'on est dans la fameuse zone de recherche? Je ne crois pas, pas encore en tout cas. Sous prétexte qu'on n'a pas atteint, j'imagine, le petit symbole. Voilà, c'est ça. Lire. Les fanatiques s'arrangent pour avoir constamment une équipe en train de capturer des loups dans la Howling Cave. Ils y gardent du bel équipement. Ils y gardent, pardon, du bel équipement. Quelqu'un devrait se lancer et leur piquer. Ah ah, un équipement. Oui, je l'ai vu aussi, hein.
Vas-y, attaque, hein. C'est quoi ce loup? Tiens, bouffe! Non, il est pas beau ton poil, hein, le loup, hein. Non, casse-toi. Oh putain. Il y a un truc que j'ai pas tenté. Tiens, ça marche! Je sais pas si c'est efficace, mais... Moi, ça m'a fait du bien de le faire. Je sais pas vous. Bon, par contre, il a l'air d'y avoir des loups dans la cave. Et pas que. Cadavre. Alors, je doute que ce soit que ça. Il va donc me falloir le grappin. Si bien qu'il ne coûte que 1. Je vais bien admettre que ça m'embête de le prendre tout de suite. Et ce n'est pas grave, on avait 6 points. Ça aurait pu être intéressant. Vous voyez, j'attends d'avoir ça à 8 points pour pouvoir faire quelque chose, mais bon. Ça aussi, ça pourrait être intéressant à 6 points. Mais bon, c'est comme ça. Allez, un point. On obtient. Hop, on a le grappin. Allez, Simone, c'est parti. Tout à la force des bras. Parfait. Explique-moi comment les loups, ils arrivent à grimper là. Ok, pas de bébête. Pas de bébête. Pas beaucoup de lumière non plus, hein, mais pas de bébête. Wow. Je fais pas confiance à ces quatre-là. Me dis pas que t'as la trouille. C'est qui, putain ? Hop les, ça c'est fait. Trois points de talent reçus, bah ça met en relief les 8 points totaux que j'ai. J'ai les filles. Pas drôle de mourir comme ça, hein. Faut bien le croire. Ok, c'est bon. Et aussi, on l'a eu. On est à 1000$, en fait, pour se payer une arme ou un truc comme ça. J'aime beaucoup l'arc, cela dit. Alors, bien entendu, je m'attends à trouver... Voilà, un énorme loup, je confirme. Lire. Faites le tour de l'animal et faites un premier examen visuel. Il est impératif d'obtenir ces données avant que le spécimen s'endormi ou envoyé au lodge. Blessure. Est-il des blessures visibles, des plaies ouvertes? Comportement. L'animal est toujours agressif ou léthargique? Âge. Quel âge a l'animal? Rappelez-vous que le traitement ne fonctionne pas sur les spécimens trop jeunes ou trop vieux. Pensez à transmettre ces informations aux scientifiques du lodge à la livraison. Pourquoi ils en ont tué autant alors? Surtout, je vois pas vraiment. Chose intéressante pour le moment. Je veux pas te faire de mal, l'ami. Je sais pas où est Pépèche. Mais... Pas grave. T'es libre. Attaque pas. Putain. C'est pas quelque chose que je voulais faire. Conte bestiole. Putain, j'aime les animaux. Pourquoi tu me fais ça? Putain, c'est dommage. Ah, ça m'emmerde de tuer des bestioles comme ça. C'est chiant. Je suis désolé, hein, j'adore les animaux, moi. Faire ça, ça me plaît pas du tout. Nalico. Ok, contrôle animal. Écoute, ça m'emmerde d'avoir fait ça. Trésor de survivaliste. Explorer la cage pour trouver des magazines de talent et plus encore. Okay.
Ah oui, d'accord. De l'argent à foison. Tramwan, d'accord. Ok. Un medikit que j'avais déjà en triple, en quadruple et tout ça. J'aurais préféré ne pas tuer la bestiole, honnêtement. Et... oh, honnêtement, j'ai envie d'essayer. Honnêtement. Ça va se jouer à pas grand chose. Putain, ce talent. Ce talent, chers amis. Ce talent, tellement de talent. Ouah, on est bon. Bon, on a 1h30 de tournage, devrait avoir suffisamment de matière pour le montage. En tout cas, on va se laisser là, chers amis, après ce superbe, ce, que dis-je, ce magnifique... Là, par contre, t'es... très bizarre, le contrôle. Ce magnifique... quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est la taxidermie de Pépèche, on est déjà arrivé là? Oh... ce magnifique vol, magnifique insertion, dommage que j'ai tué la bestiole. C'est vraiment la seule chose qui m'emmerde. Ça m'emmerde vraiment sec, hein, honnêtement. Hop, on se pose et on est bon. Voilà. Bon. Du coup, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. C'est moi. Je viens de percuter. C'est moi là, putain. Nous sommes des âmes libres à présent. Toi et moi. T'es où? Un acte de foi. Et toi? Et toi? Enfin bon, salut !